l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que Sorino s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme, mais personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons, et voilà maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, c'est Créon, c'est le roi. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de terre. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'il vaut mieux laisser à d'autres plus frustres. Et puis, ce matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre, et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ce garçon pâle, là au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, l'homme rougeau qui joue aux cartes, c'est le garde. Ce n'est pas un mauvais bougre. Il a une femme, des enfants. Et des petits ennuis. Comme tout le monde. Mais il vous empoignera les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Il sent l'ail, le cuir et le vin rouge. Il est dépourvu de toute imagination. C'est l'auxiliaire, toujours innocent et toujours satisfait de lui-même, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de thème du moment daté lui ordonne de l'arrêter à son tour. C'est l'auxiliaire de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Étéoque et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étéoque l'aidé au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Sept grands princes étrangers, que Polynice avait gagné à sa cause, ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'Aétéocle le bon frère,
il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le Vauvienne révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Répondre. Madame Jocaste, c'est vrai. Non, Maurice.
Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira « Bonjour, Nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. » Tu n'as pas d'amoureux ? Non, Nounou. Oh, tu te moques de moi, alors ? Tu sais, je suis trop vieille pour ça. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce. Mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Et si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border ? S'il te plaît, Nounou. Allons, je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux que mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes cris, garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, Nounou. Quand tu es comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée. Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux, alors. Toutes les deux, vous avez devenir folle à vous lever avant les servantes. Mais vous croyez que c'est bon d'être le matin à jeun ? Que c'est convenable pour des princesses ? Mais vous n'êtes seulement pas couvert. Mais vous allez voir que vous allez encore nous prendre mal. Laisse nous, Nounou, s'il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café. S'il te plaît, Nounou, cela me ferait du bien. Oh, ma petite colombe, laquelle tu tournes d'être sans rien, je suis là comme une idiote, au lieu de donner quelque chose de chaud. Tu es malade ? Ce n'est rien. Un peu de fatigue, c'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus. Je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens ? Je te barbouillais de terre, je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre, je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose ? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, Antigone, j'ai bien pensé. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je réfléchis, je suis plus pondérée. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre roi. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin, dans un trou. C'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre, au moins. Comprendre ! Vous n'avez tous que ce mot-là dans la bouche depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi, et ils sont tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers grouillant autour de nous dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Nous hurlerons. Ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure, et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur riz jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leur tête d'imbécile, leur regard de bœuf. Qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement sans savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et souffrir, il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point que l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une petite voix aiguë.
peux pas. Non, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute l'année. Pas toi? Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus, mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Oh, ma petite sœur! Alors laisse-moi, ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la vie hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. Oui. Sers-toi de ces prétextes. Oh, Antigone, je t'en supplie! C'est bon pour les hommes de croire aux dîners, de mourir pour elles! Toi, tu es une fille! Une fille, oui! J'ai assez pleuré d'être une fille! Ton bonheur est là, devant toi, et tu n'as qu'à le prendre! Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle! Non! Je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement! Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue! Que c'est toi que les petites filles regardent passer soudain muette, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin! Des voyous, des petites filles. Et Aimon, Antigone? Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Tiens, te voilà un bon café des tartines. Mange, mon pigeon. Je n'ai pas très faim, Doris. Oh, je te les ai grillés moi-même et heureux comme tu les aimes. Tu es gentille. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, non. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. Nounou, plus forte que la fièvre. Nounou, plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que la nuit elle-même, Nounou, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Mais qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien, Nounou. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela, mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Mais trop petite pour quoi, ma mésange? Pour rien, Nounou. Tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours, je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, Nounou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma tourterelle? Rien, Nounou. Seulement ta main, comme cela sur ma joue. Voilà. Je n'ai plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable. Ni de Tao Tao qui passe et emmène les enfants. Nounou, tu sais, douce, ma chienne. Oui? Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. Ah non, une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne doit pas entrer dans les maisons. Même si elle salit tout.
Promets, nourrice. Mais ce sera un peu fort. S'il te plaît, nounou. Tu l'aimes bien douce avec sa bonne grosse tête. Et puis au fond, tu aimes bien frotter aussi. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, on essuiera sans rien dire. Et tu me fais tourner en bourrique. Et puis, promets-moi aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça, parler à des bêtes? Et justement pas comme à une bête. Comme à une vraie personne. Comme tu m'entends faire. Ah, ça non! Faire l'idiote à mon âge! Mais pourquoi tu veux que toute la maison lui parle comme toi à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. De lui parler? De lui parler pourquoi? Et puis si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte comme lorsque je suis sortie, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nourrice, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin! Non. Voilà, Aimon, laisse-nous, nourrice. Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Oh, pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. Oh. C'est moi qui avais tort, je te prie de me pardonner. Mais tu sais bien que je t'avais déjà pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui avais-tu volé ce parfum? À Ismen. Le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe? Aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force? C'est bon. Écoutez-moi. Oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, mon amour. Tu sais, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon est bon. Il aurait eu une maman, toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand herbier. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, Antigone. Et tu crois, n'est-ce pas, que toi aussi, tu aurais eu une vraie femme? J'ai une vraie femme. Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille. Tu es bien sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même une fois, même tout au fond de toi, que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiote! Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes, comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes, sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois comme je te le demande, Aimon. Jure-le-moi, s'il te plaît. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismen, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. Et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi. C'était pour ça? Oui. Et tu as ri, nous nous sommes disputés, mon mauvais caractère a été le plus fort et je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi tu m'as juré.
être ta femme quand même, parce que je t'aime comme cela, moi, très fort, et que je vais te faire de la peine, mon chéri, pardon. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Tu me l'as juré, mon sort, sors tout de suite. Si tu pars, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par la fenêtre. Je te le jure, Raymond, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pas, Raymond. C'est la seule chose que tu peux faire pour moi. Si tu m'aimes... Antigone, ah, tu es là. Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir, j'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Et mon nounou, et moi, et Douce, ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants, nous. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure, errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontrée, j'en venais. Oh, Antigone ! Un garde, dis-tu ? Un de ceux qui gardent le cadavre, fais-le entrer. Garde Jonas, de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait, et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique, et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les deux. On est sur du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à dire? On est deux, chef, hein? Je ne suis pas tout seul. L'autre, c'est le garde de première classe Boudouce. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? Ah, n'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi. C'est le première classe qui est responsable, mais l'autre, il a voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe? Non, parle-toi, puisque tu es là. Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Vas-tu parler, enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les deux responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Bien voilà, chef. Le cadavre. On a veillé, pourtant, hein? Mais on avait la relève de 2 heures, la plus d'une. Vous savez ce que c'est, chef? Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux et la nuque qui tire, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semaine, mais on ne dormait pas, chef, hein? Ah, ça, on peut vous le jurer tous les deux qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, hein. Bon, tout d'un coup, moi je regarde le cadavre. On était à deux pas, mais moi je le regardais tout de même de temps en temps. Oui, je suis comme ça, moi, chef. Je suis... méticuleux, oui. Et c'est moi qui ai eu le premier, chef, hein? Le premier classe pourra vous dire, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose, il n'avait pas eu le temps avec nous autres à côté. Un peu de terre seulement, mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça nous aussi, mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé?
Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé les traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, Boudous a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup, mais le premier classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur appointée et la petite pelle soigneusement enveloppée dans les papiers, sous sa veste. À moins qu'il ait des complices. Et dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Boudou s'est absenté, s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal au pied, mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. Et le premier chef pourra vous dire. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute bien. Votre garde est doublée, renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous preniez pas d'arbre. Et pas un autre. Vous êtes coupable d'une négligence, vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les deux. Mais on n'a pas parlé, chef, je vous le jure. Moi, j'étais ici et peut-être que l'autre, il a déjà dit à la relève. Chef, j'ai deux enfants et il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi. J'ai un témoin. Bon, si on a parlé, ça sera l'autre. Ça sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Ah, un enfant. Et voilà, maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire, on est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences. Tous les silences. Le silence, quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement, quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite dans la chambre sombre. Le silence. Quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, il en dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre à la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame avec ses traîtres, ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ses vengeurs, ses terres neuves, ses lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Oui, puis surtout, c'est reposant, la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir. Et qu'on est pris, qu'on est enfin pris, comme un rat avec tout le ciel sur son dos. Et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non, pas à se plaindre. À gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit, et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien. Pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans les drames, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Alors voilà, maintenant, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, pas d'histoire.
Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous avez à faire là, moi, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Ce qu'elle a à dire, moi, je ne veux pas le savoir. Dis-lui de me lâcher. Avec ses sales mains, il me fait mal. Ses sales mains? Vous pourriez être polie, mademoiselle. Moi, je suis polie. Dis-lui de me lâcher. Je suis la fille d'Édipe. Je suis Antigone, je ne le saviez pas. La fille d'Édipe. Et les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, et puis tout de suite, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police, hein. Je veux bien mourir, mais pas qu'il me touche. Et les cadavres, dis. Et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis c'est sa main, mais regarde un peu les tiennes. On t'avait prise, ta peine. Il a fallu que tu repasses ça avec tes ongles la deuxième fois. Mais cette audace! Je te demande une chic, je tourne le dos une seconde, et allez, le temps que je me la cale à la joue, le temps que je dise merci, elle est là, grattée comme une petite tienne. Et en plein jour, hein? Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. J'en ai arrêté une autre de folle l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens. Et dit, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueule dans nous pour faire ça? Ah, chercher la tordue, hein. Il est bon sauge. Et on a cartilé tes manches. Si on emmenait les femmes. Ah non. Entre nous, ouais, qu'on rigole. Ah, ouais. Avec les femmes, il y a toujours des histoires et des moutards qui veulent pisser. Oh. Et ouais. On croyait pas tout à l'heure qu'on aurait envie de rigoler comme ça, hein? Ils vont peut-être nous donner une récompense. Ah, ça se peut. Et si c'est important? Flanchard de la troisième, quand il a mis la main sur l'incendiaire le mois dernier, il a eu le mois double. Oh, dis donc, si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais à Rame. Au palais? Oui. Tu te souviens la grosse du palais? Ah oui, ce que j'étais sous ce jour-là. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Et si ça se trouve, on sera peut-être publiquement félicités. Oui. Bah alors on verra. La rigolade, c'est autre chose. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi, mais les gosses. Alors on ira tous à la tordue. Ah oui, mais il faudra d'abord lui commander le menu, hein, d'avance. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Qu'elle s'asseye. Mais la lâche pas, hein. Garde-vous! Lâchez, cette jeune fille! Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec le camarade. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais quand on a arrêté celle-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. Imbécile. Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire pour les cadavres de ton frère? Tu savais bien que j'avais interdit de l'approcher. Ce qu'elle faisait, chef. Et c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle était en train de gratter avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, on avait dégagé le cadavre à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous deux qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine, je ne voyais plus. Alors je vais au camarade lui demander un chic pour passer ça, le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci, elle était là à gratter avec ses mains. Et quand j'ai voulu lui courir dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de s'échapper peut-être? Non! Elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle criait qu'il fallait la laisser, que le cadavre n'était pas tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste, et puis on a passé la relève sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener, chef! Voilà! Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour ça que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait.
Et même qu'au premier coup d'œil, avec la chaux qui tremblait, le camarade dit « Mais non, c'est une bête !» Penses-tu que je lui dis « C'est trop fort pour une bête, c'est une fille !» C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Faut-il lui remettre les menottes, chef ? Non. Parler de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas, elles, éternellement, ne sont jamais trouvés le repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer les vies au carrefour. Tu avais lu les affiches sur les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Et tu as peut-être pensé que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle quand j'ai entendu les rédits, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère, chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, et la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. L'orgueil t'est dit. Tu es l'orgueil. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que j'allais te faire mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, oh, je ne dis pas le contraire. Il n'en était pas question. Le malheur est mince, c'était pour peu. Dans la famille, il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, habilement, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent, et comme on les voit goulûment quand on s'appelle Édith. Ou Antigone. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains dans les poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours, et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Alors, les Antigones que la fille te dit, soit, mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir, mais tu ne t'es pas regardé, moi non. Grossis un peu pour faire un gros garçon à Aimon. Thèbes en a plus besoin que de ta mort, je t'assure. Alors tu vas rentrer chez toi, faire ce que je t'ai dit et te taire. Moi, je me charge du silence des autres. Allez, va! Et ne me foudroie pas du regard comme cela. Tu dois penser que je suis une brute, c'est entendu. Et que je suis bien, oui, une brute. Mais je t'aime bien malgré tout, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée
il n'y a pas si longtemps. Antigone! C'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Est-ce que tu te rends compte que si quelqu'un d'autre que ces brutes sait tout à l'heure ce que tu attendais de faire, je serai obligé de te faire mourir? Si tu te tais, si tu renonces à cette folie, j'ai peut-être une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Que comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Il y a une autre garde auprès du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir, on dégagera son cadavre. Tu le sais bien. Que peux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? Et tu risques la mort parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu cela, alors? Pour les autres, pour ceux qui y croient, pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui, alors? Pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite édipe! Vous pouvez seulement me faire mourir. Écoute-moi. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon, et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y a déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres en tenaille, ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis plus fort comme cela. J'en profite aussi. Oui. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Te tordre le poignet et te tirer les cheveux, comme on fait aux filles, dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu. Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle, ce roi bafoué qui t'écoute? Ce vieux homme qui peut tout, et qui en avait tué d'autres, je t'assure, et d'aussi attendrissant que toi, et qui est là à se donner tout ce mal pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant. Cela me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire. Mais je vais perdre le temps qu'il faudra pour te sauver. Petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais je vais perdre tout le temps qu'il faudra. Ton Polynice, cette ombre éplorée, et ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, moi, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur, et je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je pourrais te le dire à toi, c'est bête.
Monstrueusement bête. Mais il faut que tout elle sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer ton frère, ne fût-ce que pour les gènes. Mais pour que les bruits que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Vous êtes odieux. Oui, montez. C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Et si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait pourtant si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. C'est bon, je me suis trouvé comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, alors j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seule juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non. Je vous fais peur. Et c'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est l'air qui a peur. Eh bien oui. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le que vous n'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire mourir sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre crime. Avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. Alors, aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui se décompose sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils Thème, ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu, essaie donc de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut bien qu'il y en ait qui disent oui. Il faut bien qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui menote. L'équipage ne veut plus rien faire. Ils ne songent qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable avec toute la provision de douce pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer. Et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire leur affiner, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, et si on pourra être encore un homme. Après, on prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gagne un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Ça n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné le feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom, et toi non plus, tu n'as plus de nom cramponné à la barre. Il n'y a que le bateau qui est un nom, et la tempête. Est-ce que tu le comprends, cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non, et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suivre et retrousser ses manches. Empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si l'on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre et attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes.
Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la selle, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse, de l'amour? Les bêtes, elles, au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Et il peut s'en perdre autant qu'on veut, il en restera toujours une de chaque espèce pour reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve pour un roi, des bêtes, ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue. Avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Alors écoute-moi pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement avant, je voudrais que toi aussi tu sois sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone. Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom semblant. Quelle histoire? Celle des Thiocles de Polynice. Celle de tes frères. Non. Tu crois la savoir et tu ne la sais pas. Personne ne la sait, Dantelle. De moi. Et il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de le prendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères, d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient, sans doute, qui te cassaient des boucles, se murmurant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vue. Il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier soir, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres dans ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Alors il est devenu tout pâle. Et il a dressé son poing en criant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice, récanant, qui allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous n'avez pas revu pendant longtemps après. C'est vrai, cela. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé. Contre ton père. Contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient. Et les tueurs que l'on prenait finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui.
Pas seulement de lui d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame qui brûle de joint roulent. La cuisine. J'ai fait faire des funérailles grandioses à Éthéocle hier. Éthéocle est un héros. Mais je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons enfoirés qui se trompaient en nous trompant et qui se sont égorgés l'un l'autre comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres parmi les autres. On les avait trouvés embrassés pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement. La charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillés, Antigone, méconnaissables. Alors j'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre là où il était, et je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Edmond ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion a été bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui. Rien d'autre ne compte. Et tu allais le gaspiller. J'étais comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit créon maigre et pâle comme toi qui essayait de tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains. Ferme tes mains, vite. Tu verras. Cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tous le contraire, c'est parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Et de savoir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur.
sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doit lui passer dessus avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ah, je ris, Créon. Je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est ce même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté de ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne vois pas dans tes yeux que tu le sais. Tu sais que j'ai raison et tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Lequel est le mien, oui, imbécile? Vous mettez vous tête tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chats qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour toute la vie si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir! Allez, commence, commence, comme ton père! Comme mon père, oui! Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il les rencontre. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir! Tais-toi! Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide! Oui, je suis laide! C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier! Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup, il a eu comme un sourire, et il est devenu beau. C'était fini, il n'y a plus eu qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur, c'est vous qui êtes laid, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Créon. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes? Cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Et bien, ouvre les portes, justement! Il faut m'entendre! Mais vas-tu te taire enfin, mon Dieu? Allons vite, cuisinier! Appelle tes gardes! Oh, Antigone! Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Oh, Antigone, pardon! Antigone, tu vois, je viens! J'ai du courage! J'irai maintenant avec toi! Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle! Mais pas toi, pas maintenant! C'est moi seule! Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant? Ce serait trop facile! Je ne veux pas vivre si tu meurs! Je ne veux pas rester sans toi! Tu as choisi la vie et moi la mort! Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades! Il fallait y aller ce matin, à quatre pattes, dans la nuit! Il fallait aller gratter la terre pendant qu'ils étaient tout prêts et te faire empoigner par eux comme une voleuse! Eh bien, j'irai demain! Tu l'entends, Créon? Elle aussi! Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage! Ce n'est qu'un mauvais moment à passer! Allons! Cuisinier! Puisqu'il le faut! Garde! Emmenez-la! Enfin! Créon! Oh, Antigone! Antigone! Mais tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette fureur pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre.
Je comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose, tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père! Oublie-la, Emo, oublie-la, mon petit. Tu es fou, père, lâche-moi! J'ai tout essayé pour la sauver, Emo. J'ai tout essayé, je te l'assure. Elle ne t'aime pas, elle a préféré sa folie et la mort. Mais père, tu vois bien qu'ils l'emmènent! Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener! Elle a parlé maintenant, tout elle, c'est ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? L'enfermer, dire qu'elle est folle! Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve, parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir demain? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me laisser prendre. Si, Émon, si, mon petit, du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés, tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Votre agitation? Votre bavardage? Votre vide? Sans elle? Il faudra bien que tu l'acceptes, Emo. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être là. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi, avec des larmes au bord de tes yeux, et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Émon. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force. Et ce courage, ce dieu géant qui m'enlevait et me sauvait des monstres et des ombres. C'était toi, cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe quand tu me montrais des livres dans ton bureau. C'était toi, tu crois? Oui, Emo. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros. C'était donc pour en arriver là. Être un homme, comme tu dis, et trop heureux de vivre? Oui, et bon. Non, père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es puissant, toi encore, comme lorsque j'étais petit. Je t'en supplie, père, que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul. Et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Émon. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face. Antigone. Antigone! Au secours! Créon est sorti comme un fou. Oui, pauvre petit. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés à mort. Chef! Chef! Ils envahissent le palais! Créon, je ne veux plus voir leur visage. Je ne veux plus entendre leurs cris. Je ne veux plus voir personne. Tu as ma mort maintenant, c'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. La garde aux portes, conduis le palais. Reste ici avec elle, toi. Alors c'est toi? Qui, moi?
Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Elle peut ne pas me saluer. Ah oui? Oui, mais remarquez que généralement elle le fait, hein. La recrue sait que le garde est un gradé. Bon, question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial, et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Et seulement comme garde, on a d'autres avantages, hein, chauffage, logement, allocation. Et finalement, un garde marié avec un enfant arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Ah oui? Oui! Et c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent de l'active. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. Dans le sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute. Oui? Je vais mourir tout à l'heure. Mais d'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent d'active, hein. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Dans le sens, ça m'a mis pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois avoir entendu dire que pour ne pas souiller la vie de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui. D'abord, ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine, toute seule. Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde, tiens. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le sergent d'active et le garde. Deux bêtes. Quoi de bêtes? Des bêtes se serraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Vous savez, si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je vous appelle. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, ça non, pas d'histoire. Une lettre, comme vous y allez, vous. Je serai gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cette alors si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, si on fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal, à vous. Hein. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire dans mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, je relâcherai la page. De mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture, c'est trop laid. Tout cela, tout est trop laid. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Si, garde la bague et écris. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bonne amie?
voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison, c'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison, c'est terrible. Oémon, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Eh, dites, vous allez trop vite, là. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement, pardon. Alors j'aurai la faim et je mets pardon à la place? Oui, pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Lavés maintenant, reposés. Il
qu'ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants, au lendemain de la première nuit. Ils ont fini. Eux. À toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une bonne femme, parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle, comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement. Après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge, Créon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits plus démodés. À la même place où tu l'as vue, jeune fille, un soir, et avec le même sourire, la belle un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. Cela doit être bon de dormir. Tu es tout seul maintenant, Créon. Tout seul, oui. Écoutez. Monsieur, je vais vous dire à vous. Ils ne savent pas les autres. On est là devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. C'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose et ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts, pareil. Tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore ont commencé tout doucement à oublier et à confondre leur nom. C'est fini. Antigone est calmée maintenant et nous ne saurons jamais de quel mal. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement Christ tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort.
ça, cela lui est égal, ce n'est pas ses oignons. Il continue à jouer aux cartes.